Bonsoir, ici Marcadier. Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les mecs, sur l'école. Comme vous pouvez le voir dans les titres. Je vous jure, les gars, moi, l'école, je faisais tout vite. Moi, je faisais ça. Bah, je suis encore avec eux. Dans le fond, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est l'école pour moi en ce moment. 1, 2, 3. Ok, t'as bien à tout le monde? Allez, on se grouille, on se grouille. Allez, on se grouille à s'asseoir le cul sur votre chaise. Aujourd'hui, je voulais dire demain, pardon. Vous avez cours de maths. Et vous avez un dessin sur l'Halloween. Alors, vous allez me faire un dessin sur l'Halloween d'un loup-garou. Et il est mieux d'être beau, ou sinon je vous fais tout recommencer. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur Genet? Ouais, madame, moi, ma question, c'est que... c'est est-ce qu'il est obligé d'être parfait, mon truc? Ben, je veux dire, parfait dans le genre de... Il faut que ça soit parfait, parfait, parfait comme un humain. Ah ben, jeune homme, je viens de vous le dire. C'est supposé d'être parfait, parfait, parfait. Sinon, je vais vous faire recommencer. Et j'ai été compris? Oui, madame Galding. Ok, bon, c'est parti. Allez, allez, allez. Allez. Et en plus, je sais pas si vous pouvez remarquer la gueule du mec trop concentré. Ah oui, là c'est nickel, hein. Là, c'est nickel. Ah oui. Ah, bon, je dessine trop bien. Ah ouais, c'est parfait, là. Oh. Dans le fond, ce que j'essayais de vous montrer, c'est moi quand je suis vraiment concentré en classe. Yo, moi j'ai fini mon dessin sur l'Halloween. Bonjour madame. Tenez, c'est mon travail. Il est chouette, hein? Monsieur, je viens de vous dire un travail parfait. Ah bah c'est justement, il est parfait mon dessin, non? Bon, vous foutez de ma gueule. C'est le dessin le plus dégueulasse au monde. Alors, je vais vous apprendre les bonnes manières. Je dis que s'il n'était pas beau, je vous faisais. Je vais commencer. Alors, il y a de quoi qui tombe par haut chez elle. Je dois tout recommencer. Je suis capable. Ça, c'est l'école dans ma vie. Ou bien, tout simplement, le mec trouve que ça fait chier l'école. Enfin, je peux quand même pas oublier mon pire ennemi que j'avais à l'école. L'ennui. Et oui, c'était un ennui mortel. Colorier sur mon aiguisoire. J'espère que l'école, ça restera pas toujours de même pour moi. Alors, n'hésitez pas à liker ma vidéo.